Good morning Skyrim, bienvenue à cette nouvelle session de Skyrim en compagnie de Flo et de moi-même Vicablon. Bonjour. Voilà, Hérétique n'est pas présent, son ordi a quelques problèmes de surchauffe quand il lance Skyrim. Et en plus il a envie de jouer à Battlefield. Oui. Enfin bref. Tiens Flo, il y a un de tes potes qui s'est connecté au groupe d'amis, tiens. Enfin, il s'est découvert à l'instant, mais bon. Ouais, je sais, je pense qu'il a dû voir que j'étais sur Skyrim ici. Oh Mais merde, non, il fait sa ça va être vidéo. Ah disponible bah autrement. tant pis. Mais non, il sera pas dessus, vu que c'est sur PC que moi je... Non, mais justement, il s'est dit, ah merde, il fait sa vidéo, je peux pas lui parler. Bon, j'ai téléchargé quelques mods supplémentaires. J'en ai retiré un aussi, parce que sinon, vu qu'il était pas à jour, on pouvait pas lancer Skyrim. Ça aurait été ballot quand Malheureux. même. Oh oui, ça aurait été très. J'aurais pu aller sans Non Battlefield. mais arrête, arrête, arrête. Oh, c'est pas le moment. Et tu Enfin. aurais pu aller sur Red Orchestra. Ouais, c'est Red Orchestra 2, mais bon. Ma foi. J'ai aussi et surtout rajouté une carriole dans toutes les villes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de transit rapide. Ouais, on va se la jouer RP à fond. Oh mon Dieu. Ouais. En Sinon. fait, moi, je suis en train. Là, je suis en train de tuer le mec qui conduit la carriole à Blancherive. Moi, en fait, je fais que du transit rapide. Ouais. Donc on va aller récupérer le. On va surtout aller récupérer une carte d'abord. Une quête, excuse-moi. Qui est à la Guilde des Mages. Guilde des Mages. L'Académie de Fort d'Hiver, mais bon, moi j'appellerai toujours la Guilde des Mages. Et surtout, pourquoi là-bas? Bah, tout simplement parce que j'ai téléchargé un mode qui rajoute une quête pour une épée et le bouquin est là-bas. Donc voilà. Après, on ira chercher cette baraque pour voir un petit peu. On va visiter les baraques, hein, pour un peu si elles valent le coup. Ah, j'avais un doute si c'était bien cette touche-là. Ah, parce que avec ce Red Orchestra, c'est pas la même. Ouais, le Red Orchestra, c'est ça pour courir. Bon, c'est vrai, il y a le cheval, mais bon. Aïe! Je souhaite me rendre à Fort d'Hiver. Fort d'hiver, ça sert à rien d'aller là-bas. Si, il y a l'Académie des Mages, je dois y aller. Ah ouais, pourquoi? Pour une quête que j'ai téléchargée, plus en français. Waouh! Ouais, ce coup-ci, avant de faire un petit retour bureau pour faire une petite modif au niveau du son, j'ai pensé à couper la vidéo. Pas faire comme la dernière fois où on a dû où ça a merdé. Bon, faudra que je trouve une autre. Faudra vraiment penser à quelque chose pour éviter que ça merde. Et voilà, il y a une carriole à Aubétoile maintenant. Par ordre du Jarl, pas un pas de plus. Hein? 1000 pièces d'or. Oh là là. 1000 pièces d'or, pourquoi? Bah apparemment j'ai tué quelqu'un mais j'ai pas souvenir. Bon bah. Ah tiens, il y a Triss qui a enlevé l'armure de Sibylline pour mettre l'armure d'elfe, tiens. Bah vas-y, je me rends, allez. Bienvenue au trou. Ah ouais, la Trandaque de glace, effectivement. Alors, en dehors de la Trandaque de glace, il y a quoi comme garde? Bon bah Flo a pas de, veut pas donner réponse, on va se débrouiller comme ça. Hein, quoi? Après le Atronach, il y a quoi comme garde? Pou pou. J'y pense, si l'Atronach me repère. J'ai toujours la prime ou je peux le tuer Tu pour éviter? crèves. En fait, après la Tronac, il y en a trois autres à l'extérieur. Petite sauvegarde rapide. Il y a trois autres Atronach à l'extérieur, donc fais gaffe quand même. Ah merde. Je pense que Ah t'aurais mais ils pu m'ont te laissé battre. tout mon équipement, même tous mes crochets. Non! Si. T'es sérieux là? Ouais.
C'est bien ça. Coucou. Ah ouais, il fait mal. Il y a juste mon compagnon qui m'ont pas laissé. Et merde, la musique de Skyrim en tête, plus celle de Battlefield, et voilà, j'ai mal à la tête. Et merde. Eh, hey, je l'ai battu ton Atronach. Allez hop, au suivant. Il y en a pas de suivant. Si, si, il y en a. Merde, j'aurais peut-être. J'ai le premier, il est simple, hein, c'est les autres qui sont un peu. Ils sont à plusieurs en fait, c'est ça qui. Ouais. C'est ça qui compte. J'espère que j'y pense aux petites potions de soins, sinon je suis dans la merde. Oh shit, ouais ouais. Ah oh, merde, ouais, c'est ça. Oh shit, bah merde. Non mais je viens d'ouvrir le menu Steam en fait. Ah ouais ouais ouais. Ouais, ils sont en paquet les mecs. Je dois aller par où? Bon, approximativement par là, ça devrait être bon. Le comble du truc, c'est que je me retrouve poursuivi. Ça serait que je me retrouve poursuivi par des Vazars. Ah, vas-y, il y a du minerai, je peux pas m'arrêter. Il me lâchera quand, cet Atronach de merde? Tu veux te battre? Eh ben, on va se battre. Ah, tu sais pas nager. Ah, c'est trop bête, hein. Tiens, l'Atronach de glace, la seule créature qui puisse pas nager. Non, Lika, t'es méchant. Et il peut pas me poursuivre. Salut petit con. Ah, et un petit orqueur pour le dîner. Ah, toute une famille d'orqueurs pour le dîner. Ouah, le mec qui a balancé un sort, ça l'a paralysé. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille acheter les magies de Midas que j'ai téléchargées. Tu sais ce que c'est, ce sort qui paralyse déjà? Je crois savoir, ouais. Mais je m'en souviens plus. Je me souviens plus du nom, mais il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Je suis en train de faire une véritable boucherie sur les orqueurs. Et jouer à Atronach au loin, j'adore. Oh, le guerrier Alikir, je vais tout voler, y compris ses deux cimetières et le fric qu'il avait sans lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Smilodon des neiges. Je vous avoue que c'est la première fois que j'en vois un. Waouh, il est vachement plus balèze surtout. À l'aide! Oh. Finalement, le transit rapide, c'est pas si mal, hein. Bon, ce coup-ci, je vais runner. Je vais même pas tenter d'abattre la famille de Harker, hein. Ah merde, j'ai oublié que j'avais un level. Oh, je suis con. Je peux m'en servir. Je suis complètement con, j'oublie tout le temps que je l'ai. Aïe, enfoiré. Oh, il a récupéré une épée, lui. Oh merde, il a récupéré par terre. Oh, l'enfoiré. Voilà. Hé, hey, les Atronach, je suis prêt à me battre maintenant. Venez si vous avez... si vous êtes des hommes. Un Atronach, j'en doute. On a. Ouais, moi aussi. Yeah, j'en ai déjà tué un d'Atronach. Qu'est-ce que c'est que ce... Il va te battre, morte couille. Ce sort de paralysie, moi. Je le savais, je le sais plus, et ça me fout. Premier niveau. Ah, santé. Santé. Santé.
suis niveau 17 maintenant. Non, bah moi je suis 3... Attends. 38. 80% de dégâts supplémentaires. Quoi, le truc d'Alikir, ça, c'est pas de l'armure du tout. Sérieux? Eh ouais. C'est dingue quand même. C'est censé être des guerriers. Ah ouais, mais ça c'est pour les armures intégrales. Allez, je vais quand même la mettre. Botte de rouge d'armes. Oh là là. Je suis un guerrier à l'Ikia. Ouais, bof, en fait, non, je ne le fais pas. Il y a vraiment une gueule de con avec ça. Tiens, ah, j'ai de nouveaux trucs. Enchantement. Pas mal. Faussaire. Ah oui. Ça, c'est parce que j'étais chargé en mode qui permet aussi de forger des armures de faction. Furtivité, crochetage, vol à la tire. J'allais dire je suis quelqu'un mais je sais plus ce que je voulais dire. Oh merde. Verrou de novice. Oh merde, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible ça. Ah. Wouah. Tape abruti. Oh là là. Elissif, le jarl de solitude réside quant à lui au palais bleu. Et quant à elle, c'est déjà peut-être mieux bon. Eh hey Flo, j'en ai déjà explosé deux des Atronach, j'allais m'attaquer au troisième. Je suis devenu plus fort. Je suis devenu suffisamment fort pour m'attaquer à trois Atronach. C'est déjà pas mal. Eh hey, j'adore en fait le troisième Atronach, s'il me poursuit pas parce que c'est parce qu'il était en train d'attaquer une chèvre. Et il tue les chèvres. Oui. Il tue un orqueur, il a tué un orqueur et là il est en train de tuer les chèvres. Sur la banquise. À la limite, le hors-cœur, je veux bien, en fait, hostile, cher. Et le pire, c'est qu'il a quasiment qu'il a perdu une partie de sa vie, hein, comme ça. Non, si. là, tu dis des conneries. Non, non, ouais, tu verras toi-même. Oh, genre, le hors-cœur, il a plus rien. Il faudra qu'à voir par toi-même sur la vidéo. Il a perdu de la vie. Et un bon paquet, hein. Pas genre un millimètre, hein. Il avait perdu au moins 2 bons centimètres de chaque côté. Bon. Bon, le souci, ça va être de retourner à Fort d'Hiver. Parce qu'ok, on peut être en dessous, mais le problème, c'est que c'est une falaise. C'est Fort d'Hiver est construite sur une falaise. Ce qui pose c'est quelques légers soucis. Ah, je le savais, c'est un filon de fer. L'académie de Fort d'Hiver. Eh bah, ben, je suis arrivé. Pas de smilodon des neiges. On dirait que là-bas c'est un gros nounours des neiges. Un nounours, un gros ours des neiges qui va me péter la gueule. Ouais, c'est clair. Merde! Merde, un ours des neiges. Ouais, bah ouais, c'était ça, un ours des neiges. Il est en train de m'attaquer. Non. Donnez-nous un peu d'argent. De réparer le visage du pauvre petit Vika Blanc qui a été... Tape, abruti. Ouais. S'il vous plaît, aidez-nous à réparer le visage du petit Vika Blanc qui a été... Je vois un deuxième ennemi, mais je l'ai repéré, mais je crois qu'il est au-dessus... Ouais, merde, il est au-dessus de moi. C'est-à-dire qu'il peut me tomber sur la gueule à n'importe quel moment. Qu'est-ce que je dis?